Qui ont peu ou prou existé, qui sont de mon enfance, qui sont de mes souvenirs, de mes... mais bon, que je modifie en fonction de mes histoires que je veux raconter avec eux, et je les fais se croiser, oui, pour voir ce qui se noue et se dénoue entre eux, et puis sur, souvent, ce qui m'apparaît très fortement, c'est la proximité des destins, des rêves et là en l'occurrence la proximité des colères, la similitude des colères que les peuples peuvent avoir, surtout lorsqu'ils ont traversé des tragédies,
telles que celle de la traite négrière et celle des persécutions des Juifs de l'Est, entre autres la Shoah. Donc là, c'est vrai que on vous dirait comme ça, oui, c'est pas évident de s'imaginer des croisées entre ces populations qui sont géographiquement aux antipodes. Et pourtant, d'abord, elles ont existé. Nous en avons des exemples pas loin, en Guadeloupe, entre autres avec Simone Schwarzbach et Jacques Schwarzbach. Il y en a d'autres. Le monde est truffé de ces croisements étranges, de ces métissages improbables qui se fabriquent sur ces similitudes, sur des rêves communs, sur des aspirations communes. Voilà, donc oui, c'est mon roman, enfin mon écriture de manière générale, parce que j'ai commencé comme ça et je pense que cette os, je le range jusqu'au bout. C'est une écriture basée sur cette recherche de ce que je suis finalement, parce que on est tous ici en Martinique à peu près au carrefour de plusieurs cultures, de plusieurs migrations forcées ou voulues, et voilà, nous sommes cette résine. Les colères sont inextinguibles, et même l'amour le plus fort n'aura pas raison des combats qui quelquefois voilà, dépassent le plus beau des sentiments que l'on peut avoir. Et là, dans ce texte, en l'occurrence, il s'agit d'un couple entre un Martiniquais, un jeune garçon martiniquais qui a été abandonné par sa mère très jeune et qui rencontrera dans sa jeunesse une femme noire américaine qui est vraiment férue de combats du droit, comment dire, des droits civiques, et qui l'amènera aux États-Unis. Mais son combat pour les droits civiques des Noirs américains supplantera l'amour qu'elle a pour cet homme, ce Martiniquais. Et voilà, c'est finalement cette colère-là qui gagnera sur celle qui les a réunis. Tous les noms de fleuves, d'arbres et de fruits ont des origines indiennes. Donc c'est de ce melting pot que naît effectivement la singularité du Mississippi. Et probablement c'est de là que vient aussi cette puissance du blues, qui est évidemment dérivée directement des rythmes africains et qui a été adapté, actualisé à la condition servile, puisque le blues naît en ligne directe des champs de coton et de l'esclavage. Donc c'est effectivement cet héritage-là qui est au cœur du roman. Et d'ailleurs, oui, j'allais venir avec le blues, c'est le deuxième mot du titre, effectivement, qui est une musique non seulement qui a métissé, mais dont on s'empare aujourd'hui. Il y a du blues rock, du blues jazz, toute la musique en fait. Et votre roman est hyper musical, c'est-à-dire que quand on lit le roman, parfois il y a des petites incises comme ça de blues, soit des paroles, soit des façons d'écrire qui engagent un rythme comme ça, très blues. Et ce que je voulais dire, c'est que la musique elle-même est un métissage en fait. Oui, d'ailleurs, parfois il y a des résonances étonnantes. Là, je fais vraiment un changement de polarisation et un déplacement géographique. Mais par exemple, si vous allez aux Interceltiques de l'Orient, il y a régulièrement des groupes maghrébins qui sont orientaux, qui sont invités, parce qu'il y a des influences dans les gammes qui sont les mêmes en fait. C'est-à-dire que la musique, si un domaine où les identités se fondent, se confondent et se nourrissent les uns les autres, c'est la musique. Typiquement, le blues, c'est une musique où on retrouve des rythmiques et des harmoniques africaines, mais qui a été adaptée avec des instruments européens et occidentaux. Et donc, il y a, bien sûr que c'est important de dire que c'est une musique noire, ne serait-ce que parce que l'identité noire a pu s'appuyer aussi sur ces musiques pour se créer une fierté, une raison d'être. C'est vraiment, je crois, l'apport peut-être le plus singulier et le plus puissant qui a apporté la communauté noire à la,
à la culture américaine, c'est le blues avec tous ses dérivés, comme tu le disais, puisque du blues va naître ensuite le rhythm and blues, le rock, la soul, jusqu'au hip-hop. Quand Johnny dit que toute la musique qu'il aime vient de là, vient du blues, il a pas tort. C'est que Serge, pour vous, il est dans le mouvement. Il est absolument dans le mouvement et dans le déplacement, c'est exactement ça. Et puis, l'idée du livre était de commencer justement avec un premier voyage qui montre que malgré lui, il va se retrouver métissé. Ça commence tout simplement avec un personnage qui habite dans le Jura, à Lons-le-Saunier, et qui a la maladie du phylloxéra. Lorsque ce petit puceron qui vient des États-Unis vient manger les ceps des vignes et sécher toute la vigne, crée une première crise dans la viticulture. Il prend donc un navire en fer, traverse toute l'Atlantique et normalement doit se rendre en Californie. Et un hasard de l'histoire, peut-être une magie de l'histoire, une sorte de sortilège de l'histoire, finit par le métisser ailleurs et quelque part le catapulte sans le vouloir au Chili. Il doit aller en Californie, mais contracte une fièvre typhoïde dans le bateau, est obligé d'être descendu à Valparaíso, se retrouve au Valle Central à Santiago et donc va replanter le pied de vigne sain qu'il avait avec un peu de terre dans un chapeau sur les flancs de la cordillère pour justement lui donner une renaissance, une deuxième vie, mais aussi pour quelque part métisser à un niveau botanique cette vigne française avec les minéraux, avec les forces, avec les sucs, avec toute la puissance tellurique de la cordillère pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on boit au Chili des si bons vins qui sont avec des cépages de Merlot, de Carménère, de Cabernet Sauvignon, ainsi que de Saint-Émilion. Donc l'idée était de faire ce premier métissage qui était à la fois botanique d'un côté, qui est dans l'écorce, qui est dans la racine, qui est dans la feuille, qui est dans la rougeur de la feuille. Et puis ensuite, bien sûr, le métissage au niveau des nationalités avec ces Chiliens qui, tout à coup, ces Français qui sont chilienisés, qui sont transplantés, qui eux aussi sont replantés ailleurs et qui vont créer des tissages au niveau de... Et ce que je trouve par rapport au tissage, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et peut-être dans le métissage il y a tissage, c'est donc on peut également parler du jeu de tissage, donc du jeu du texte, puisque texte vient de textile. Et tu parlais tout à l'heure des Wild Palms, et je trouvais ça très beau en effet, puisque Julien parle délicieusement de Faulkner et des palmiers sauvages. Et je sais en effet que lorsque les palmiers sauvages sont sortis, on a considéré que c'était peut-être un livre un peu moins bon dans l'œuvre de Faulkner, qu'il y avait peut-être des langueurs, qu'il y avait des dialogues qui pouvaient être ballants, un peu boiteux, et que ça n'avait pas la grandeur de Bruit et Fureur. Or, ce métissage peut se faire aussi à un niveau littéraire et linguistique, puisque le grand écrivain argentin Jorge Luis Borges a décidé de prendre les Wild Palms, l'a traduit, lui a donné un je ne sais quoi de plus, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on regarde la traduction de Borges comme une sorte de chef-d'œuvre ultime, et on cherche à retraduire en anglais depuis Borges pour pouvoir donner à Faulkner ce qui lui manquait. Donc quelque part, ils ont déraciné Faulkner, ou le palmier sauvage de Faulkner, pour le replanter en Argentine et le replanter ailleurs. On est encore une fois dans un métissage à la fois botanique, à la fois de nationalité et bien sûr littéraire. Et en fait, j'ai été assez mauvais élève parce que je n'ai pas défini les termes au début. Et justement, je me demandais ce qu'était un métis, une métisse, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Aujourd'hui, on est quand même dans une époque qui revendique des identités très fortes comme ça. Et le métissage, le métis, est-ce que c'est une identité nouvelle ou est-ce que c'est la fin d'une identité, en fait, comme carte de visite? Tu me regardais ou tu regardais Victor? Je regarde tout le monde. Et j'ai l'impression que tu regardais Victor, c'est pour ça. Je regardais un peu Victor, mais tu peux y aller. Je peux y aller. Alors, vaste débat, ceci étant. Est-ce que le métissage est la fin des identités ou c'est une identité en soi? Est-ce que c'est une étape ou est-ce que c'est une finalité? Est-ce que quand on se métisse, on fait deuil de son identité pour se fondre dans celle de l'autre? Si j'avais une réponse toute faite, je la donnerais immédiatement. J'ai plutôt envie de faire un pas de côté et d'évoquer, de rentrer
rentrer peut-être plus, de manière plus approfondie et plus contextuelle dans mon roman, il y a des, la plupart des personnages de ce roman sont, sont en réalité métis. J'ai découvert ça en faisant le travail de documentation, notamment les Noirs étaient métissés avec les tribus indiennes, puisque historiquement, quand les Noirs marronnaient, quand ils s'évadaient des plantations, ils allaient se réfugier chez les tribus. Et il y a eu donc un métissage qui s'est opéré. Et c'est comme si deux peuples dominés, chacun à leur manière, réussissaient effectivement à résister par justement ce, ce métissage. Et parmi les pères du blues, il y a Charlie Patton, qui est de mère Cherokee et de père noir, peut-être plus célèbre, Jimi Hendrix a aussi des, du sang indien. Donc imaginez que ces deux peuples qui ont chacun subi le joug de l'histoire par leur réunion soient parvenus à continuer à exister et à engendrer une musique qui soit une affirmation de soi. Oui, je pense que c'est une illustration assez intéressante, ouais, de ce métissage. Après, je pense que Victor pourrait nous en dire aussi pas mal en fait là-dessus. Je n'ai pas non plus de réponse toute faite, évidemment. En revanche, je pense que c'est les, voilà, ce sont les couleurs qui se mélangent et qui donnent cette espèce de nouvelle construction d'identité. Mais je ne suis pas folle du terme identité. Excusez-moi, j'ai une mouche du coche là qui me. Donc je n'aime pas ce terme identité. Je n'aime pas cette société identitaire. Qui se développe, qui nous amène vers des... Nous nous recroquevillons sur nous-mêmes, et c'est le contraire de ce qu'il faut faire pour que les hommes vivent ensemble dans l'harmonie. Et c'est, voilà, donc cette société où on parle énormément d'identité ne me convient pas. Donc je préfère ne pas parler de nouvelle identité, mais de nouvelle construction. Absolument. Alors, le maître des carrefours, c'est Legba. Legba, Papa Legba, c'est une divinité vaudou qui est originaire évidemment d'Afrique. Il est aussi appelé Échou, par exemple, au Nigeria. C'est un dieu qui est très intéressant dans le panthéon vaudou, puisque c'est le dieu intermédiaire. C'est lui qu'on invoque en premier dans les rituels, dans les cérémonies, si on veut s'adresser à d'autres dieux, si on veut s'adresser par exemple à Ogun, le dieu de la forge, ou à Shango, le dieu de l'orage, on passe d'abord par l'intermédiaire de Legba. C'est le maître des carrefours, c'est celui qui se trouve à la croisée des chemins et qui, quand l'homme ou la femme doivent prendre une décision cruciale, vient à leur rencontre. C'est aussi un messager, il joue le rôle aussi que joue Hermès dans la mythologie gréco-romaine. Et dans le roman, c'est un personnage à part. Il a l'impression comme ça qu'il a été catapulté d'une sorte d'Olympe pour arriver de chair et de sang au milieu du roman. En fait, il joue le rôle d'un sorte de détective d'outre-monde, puisque le roman commence par une série de meurtres assez sordides, inexpliqués. Il y a un assassin sans visage qui commet des assassinats odieux la nuit, et ces assassinats sont complètement passés, à vrai dire, n'intéressent personne. La police ne mène pas l'enquête, les habitants considèrent ça presque comme un malheur, comme une catastrophe naturelle, puisque dans ce pays qui est un pays de pure violence, hein, le Mississippi, les historiens, quand ils interrogeaient les gens qui avaient vécu dans les années 30, les Noirs l'appelaient l'enfer sur terre. La violence était permanente et elle était non seulement subie, évidemment, mais elle était aussi intériorisée, c'est-à-dire qu'il y avait, comme souvent d'ailleurs dans les conditions de domination, souvent les dominés reproduisent une forme de violence à l'intérieur de la communauté. Ça peut se manifester dans les rapports entre les hommes et les femmes, dans les rapports entre les hommes entre eux, et donc Legba joue le rôle un peu de
j'allais pas dire de gardien de la paix, mais plutôt de détective et comment dire, c'est celui qui permet à un moment au récit de faire un pas de côté et d'accéder à l'universel. C'est-à-dire que certes, c'est une fable particulière, ce roman se passe dans un territoire bien défini, c'est vraiment toute ma volonté, c'était de susciter une sorte d'immersion totale dès les premières pages, que le lecteur qui c'est vraiment ait l'impression de se plonger au milieu des décors du Mississippi. Mais à un moment, l'Egba permet ce recul et on se rend compte justement qu'au-delà des identités, même si je suis d'accord avec toi, ce mot a quelque chose de limitant, au-delà des identités noires, blancs, métis, indiens, on parle d'humanité. Et il s'agit de voir des humanités en mouvement, des humanités placées face à des responsabilités, à des actes qu'ils ont à commettre ou au contraire à réprimer. Thank you.
l'esprit pour tous les mots, l'esprit pour les manitou. Soit ce que l'on fait sur scène, à partir du moment où le public est là, et on a l'impression quelquefois d'avoir de tenir le public dans le creux de sa main. Et quand ça arrive, effectivement, on entre dans cette transe qui est extraordinaire à vivre, effectivement. Quelque chose de chamanique. Et Julien, justement, je voulais te demander, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est une énormité en parlant de chaman, mais en lisant le Delta Blues, même si on est dans le Mississippi et tout ça. Il y a quelque chose, oui, quelque chose de chamanique. Mais ça ne concerne pas que les Indiens. Non, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'il y a un passage, par exemple, dans le roman, où il y a un arbre à offrande qui est partagé entre les Indiens et les Noirs. C'est-à-dire, ça, c'est une découverte que j'ai fait aussi. Par exemple, les racines étaient plutôt le domaine des Indiens, et dans les branches, les Noirs, dans un rituel, avaient placé des bouteilles en verre pour capturer les esprits. Donc cet arbre était partagé. Je crois que là, plus on creuse, je pense, plus on atteint une forme d'universel. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des racines, par exemple, judéo-chrétiennes de l'Europe. C'est exact. Mais si on se met à creuser en les siècles et les siècles en avant, en fait, nos racines sont évidemment païennes et elles sont chamaniques. Dans la grotte Chauvet, qui date de 32 000 ans avant Jésus-Christ, il y a un crâne d'ours qui était sans doute l'ours qui permettait de communiquer entre le monde des vivants et le monde des morts. Qui s'en chargera ? Après le silence téléphonique, il m'a fallu résister à l'envie de fuir plus loin encore. Retourner à l'aéroport du Lamantin et monter dans le premier avion à destination d'une autre île, Grenade par exemple, ou Sainte-Lucie, ou une autre sainte, pour éprouver un peu de la douceur qui émane de ces rivages. Entendre parler anglais, voir des Américains en short, et laisser venir à moi ce que mon père a tu pendant toute mon enfance. Parce que avant 5 ans, disait-il, la mémoire n'existe pas. Pourtant, j'ai dans un coin de mon cerveau les inflexions de sa voix, le sentiment d'une chanson qu'elle murmurait à mes oreilles et que je ne comprenais pas, à peine une vibration, et le souvenir d'une colère jamais éteinte. Ma mère, c'est d'elle que viendrait l'apaisement aujourd'hui, si seulement elle était là. Senti une douleur si pointue dans son ventre qu'elle dut s'asseoir au centre de la volière. L'enfant remua avec férocité dans ses entrailles, s'agita violemment dans ses profondeurs, mais les activités du chantier, les rangements de la maison et les fatigues du potager l'avaient préparée physiquement à ce moment. Elle ferma alors la porte de la cage, leva les bords de sa robe et, sous les regards ahuris des badas du Japon, se prépara à accoucher sur un sol d'écorce de pin. Ce furent alors des heures de hurlements, de respiration et de contractions qui attirèrent toutes les matrones du village et tous les enfants du quartier, si bien qu'il y eut rarement un accouchement avec autant de témoins que celui de Thérèse Lansonnier. Ramassée au sol, elle lutta contre cet ange invisible qui jaillissait d'elle, rompu par sa présence incandescente, se laissant guider par les étranges et difformes pupilles des moineaux et des canaries. Cette déchirure qui s'agrandissait entre ses jambes, cette tête fétide et imbibée qui apparaissait, c'était la difficile offrande qu'elle faisait au monde, mais aussi la jalouse appropriation par laquelle la volière tout entière réclamait son baptême. Une petite boule couverte de sang et de plumes sortit du ventre de Thérèse, et roula sur sa tête comme un œuf au milieu d'un tumulte de piaillements, d'un concert de cris et de ululements. Son visage minuscule, couvert d'un duvet de vautour, fixait le dôme en bronze, d'où le hibou de Thérèse l'observait avec un silence majestueux.
La petite fille s'enroula dans le coude de sa mère, comme si elle se lovait dans un nid, et c'est alors que quelque chose fondut dans le cœur de Thérèse d'une insoutenable tendresse. Étonnée par la brusque bénédiction qui venait de lui tomber sur les épaules, elle leva l'enfant dans ses bras, et cette naissance constitua un changement si frappant dans sa vie et dans son équilibre qu'à compter de ce jour, elle qualifia les nouvelles en les datant d'avant ou d'après. Voilà la chose. Merci beaucoup de venir. Merci beaucoup. Thank you.
Profondi, c'est bon pour nous. C'est très très bon pour nous. Nous qu'est-ce que...